Actualité politique hein, dans ce journal à 2 mois maintenant des municipales à Dunkerque qu'on continue de vous présenter les différents candidats pour la France insoumise. C'est Jean-Louis Gadea qui se lance en chef de file de la liste Union. Pour lui, chaque dossier doit être mené avec une vision à long terme. Exemple en termes d'urbanisme et de rénovation urbaine. Certes, il est intéressant de construire, de rénover. Encore faut-il penser à l'empreinte écologique. S'il est élu, il mettra donc un point d'honneur à contrôler l'impact de ses décisions, quelles qu'elles soient, sur l'écologie. Explication au micro de Corentin Escaillé. On a construit un programme en 5 axes. Et dans ces 5 axes, il y a 63 points différents. Donc les 5 axes vraiment importants, ben c'est tout ce qui est démocratie locale, démocratie citoyenne, référendum, etc. Deuxième point, c'est sur l'écologie, c'est un des points les plus importants que l'on porte sur le Dunkerque, parce que c'est vraiment très important, très prégnant sur Dunkerque et le littoral. Le troisième point, c'est le point activité, bien entendu, qui est important aussi. Il y a tout le point solidarité. Et le cinquième point, c'est tout ce qui est jeunesse, la vie sociale de tous les jours, qui est importante sur le Dunkerque aussi.